6 échecs. La 7e sera la bonne. Roi de Champignac. Ouverture réussie, sac à papier. Et maintenant... Paco, mon ami, voici le cruel instant de vérité. En avant, sabre de bois. Ah, splendide. Tout à fait remarquable. Magnifique. J'oserais dire complètement décoiffant, n'est-ce pas, vieux hibou? Il me semble retrouver mes jambes de jeune homme. Tadou. Mais assez d'enfantillage. Vérifions méthodiquement et scientifiquement notre expérience. Parfait. Maintenant, attendons quelques instants. Aucun doute. Le résultat est indiscutable. Sapristi, où ai-je donc mis cet ustensile? Le voici. C'est vous, Spirou? Figurez-vous que j'ai à vous parler d'une toute nouvelle invention assez étonnante, je crois, le sablotron. Ah, voici le château du comte, Fantasie. Quand même, Spirou, un engin qui permet de traverser les murs. Moi, j'y croirais quand je le verrai. Nom de nom! Ah! Accroche-toi, Fantasio! Va y avoir de la casse! 1 000 000 000! La robot turbo n'a même pas une bosse! Alors, les amis, que pensez-vous de mon invention? Comment. Cette chose. Le sablotron, parfaitement! Il fonctionne grâce à un extrait de champignons radioactifs très rare, le Boletus ramollus meringuex. Il permet de transformer la pierre la plus dure en une matière aussi friable et légère que de la vieille meringue. Encore un de vos miraculeux champignons. En effet, mes amis. Mais je dois maintenant vous expliquer pourquoi j'ai besoin de vos talents de journaliste. Et voyez-vous, je veux lancer un appel au monde. Un appel qui puisse être entendu jusque dans les régions les plus lointaines et les plus malchanceuses de notre planète. M'en va-t'en, oiseau des malheurs, mon ultime limon. Je suis perdu, finito. Oh, c'est la malchance. Vito, vous avez tort de perdre espoir. Des noirs abîmes souvent jaillir éclatante lumière. Mais vous... Je vous croyais muet, mais qui êtes-vous? Je être Raspoutnikov, le grand maître Raspoutnikov. Je lire dans les cœurs et les destins. J'ai tout savoir, mais celui qui sait, il ne rien dire jamais, Vito. Ou alors, contre un prix modique, une petite consultation, Don Vito. Mais pourquoi non? Oh, on payait d'avance, Don Vito. Mais moitié, moitié. J'ai voir, oh oui, j'ai voir la chance, elle bientôt revenir, Don Vito. J'en étais sûr. Bientôt Vito la devenne. Il redevient Don Vito Cortizone. Don Vito le diabolico. Vous allez maintenant assister en direct de Champignac à la démonstration des étonnants pouvoirs du sablotron. Dernière invention du comte de Champignac. Monsieur le comte, quelques commentaires sur ces images? Eh bien, vous voyez là une magnifique statue en pur granit, prêtée obligeamment par le maire de Champignac. Très impressionnant. Bien entendu, les effets du sablotron sont limités. Leur force et leur durée dépendent de l'intensité du rayonnement. Transporter des matériaux... ici construire des maisons... ou creuser des tunnels, monsieur le comte de Champignac, on voit bien tous les services que peut rendre votre invention. Certes, et c'est pourquoi j'ai pris une décision. J'offrirai le sablotron au premier gouvernement qui me proposera un projet humanitaire convaincant. Grâce au sablotruc, je vais dévaliser les plus grandes banques du monde. Il y avoir bien mieux que ça à faire, j'en suis sûr, Vito. Hein? Qu'est-ce que c'est mieux qu'une banque? La croix d'Isis, Don Vito, le talisman des talismans. Celui qui la possède, Vito, il a la richesse, longue vie et chance. Chance pour toujours. Chance pour toujours?
cela être une vulgaire copie, Vito. La vraie croix d'Isis être là. D'accord. Moi, je sais où est le sable truc, et toi, tu sais où est la croix d'Isis. Marché conclu. Il est temps de faire ma valise et on y va. Vito, comment nous sortir de prison? Ma, par la porte. Hé, Vito! La peau de trèfle à quatre feuilles, la chance va peut-être tourner. Imbécile. Mamma mia, mamma mia, ma petite maman à moi. C'est ma première épingle de nourrice. J'ai réussi. Par la Santa Madonna, la chance est revenue. À nous deux, Spirou. Raser le château de mes ancêtres pour en faire un parc de loisirs? Jamais, sac à papier, hein? Ceux-là veulent raser la grande muraille de Chine afin de conquérir l'Asie, signée l'armée secrète du Lotus Noir. Et celui-ci veut tronçonner la tour de Pise pour en faire des porte-clés. Des va-t-en-guerre, des promoteurs imbéciles, sapristi. Il n'y a donc personne d'autre au monde qui puisse s'intéresser au sablotron. Je suis sûr que mon plan va réussir. Il est machiavélique. Quoi dire? Le plan à moi, Vito. Mais à qui le plan? Quelle importance? L'important, c'est que la chance, elle est revenue. Ah non! Champignaco! Par la Santa Madonna, la chance, elle est revenue. Hélas, les pouvoirs du Boletus Ramolus Meringuex sont trop grands. Et les humains trop bêtes. Je me demande même parfois si j'ai raison de poursuivre mes expériences sur les champignons. Mais monsieur le comte, vous n'allez tout de même pas renoncer aux omelettes? Bien. Vous êtes d'accord? Si. Les loups entrent dans la bergerie en cas de besoin, fais le ménage. J'ai bientôt faire les ménages, moi aussi. Don Vito. C'est Rasputnikov. Il m'énerve avec ses grands airs. Heureusement que la chance, elle est revenue. Je suis Igor Rasputnikov, archéologue très intéressé par le sablotron. Il y a voir des années. Vous entendre peut-être parler de la célèbre pyramide des Clops. Oui, une histoire de trésor, je crois. Le trésor archéologique, un sanctuaire secret de la grande déesse Isis. Je veux savoir où trouver le sanctuaire d'Isis. Oh, Madonna! Oh! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Peut-être un fantôme. Je n'ai jamais entendu des fantômes faire autant de raffus. Je vais voir ce que c'est. Personne bougeait. Restez calme, j'ai seulement vouloir sablotron. Le sablotron? Bien sûr, yeah. Oh. Bravo, monsieur le comte, touché. Sachez que je fus jadis une assez bonne lame. Sapristi. Vito Cortisone. Ma quelle chance, je suis tombé à pic. Ce type essaie de me faire le coup de l'hypnose. Maintenant, vous donnez sablotron et clé de la voiture. Et surtout, vous restez tranquille. Ou alors, tant pis pour le cochon d'Inde. Bonjour. Pénélope vous souhaite un bon voyage en sa compagnie. Moi? Moi, qu'est-ce que c'est? Malédizione, il nous suit. Non, Spirou, cet engin a au moins un demi-siècle. Et alors, il roule. Nom de nom. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Spirou? On essaie en trottinette? On fait nos valises pour le pays des pharaons, Fantasio. Il faut récupérer le sablotron.
tutto va bene. Nous sommes juste à l'heure. Par la Santa Madonna, avanti, à moi la croix d'Isis. À moi la chance éternelle. Bien sûr, Vito, bien sûr. T'as vu ça, Spirou? On dirait que Vito la dévaine est passé par là. Oui, et il n'y a pas longtemps. Avec sa malchance et un bon 4-4, on devrait facilement les rattraper. Tu parles d'un 4-4? Ouais, je me demande si la malchance de Vito n'est pas contagieuse. T'as lu ce bouquin, la pyramide maudite? Isis, la vengeresse, momie qui tue. Quel calore! Elle est encore loin, cette pyramide. Nous arriver demain, si tout allait bien. Pas de problème, Raspoutnikov. La chance, elle est revenue. La grève de la faim, Fantasio? Berf. Tu sais, ce bouquin me coupe l'appétit. Il paraît que tous les membres de la mission sont morts, et de façon mystérieuse. Tous sauf un certain Raspoutnikov. Spirou et Fantasio nous poursuivent. J'ai le sentir. Non, qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Tu lis dans le feu? Eux être sur nos traces, je le savoir. Oh, tonnerre. Oh, quel cauchemar. C'est curieux, non? On ait fait le même cauchemar. On est au pays des mystères, au pays des pharaons. Ma qu'est-ce qui se passe? J'ai pas comprendre. Nous déjà passés par là. Non, pas possible. Nous aller vers le nord. Vito, toi, vider tes poches tout de suite. Mes poches, ma... Tellement. Mais c'est les bonnes ondes, la chance, elle est revenue. Mais il faut l'aider un peu, non? Ah, je vais pas m'embarrasser plus longtemps d'un imbécile comme toi, Vito. Oh! Tu parles un peu vite, Raspoutnikov. Inutile d'essayer de me faire de l'œil. Tu vois, j'ai pris mes précautions. Mais tu as raison, après tout. Un de nous est de trop. Alors donne-moi le plan de la pyramide. Tiens, toi te débrouiller seul, si tu peux. Voyons, malédiction des hiéroglyphes. Mais tu vas me payer ça très cher, Raspoutnikov. Tu vas avoir tort, Vito. Nous perdre beaucoup de temps. Garde ta salive, Raspoutnikov, tu vas en avoir besoin. Oh, est-ce que c'est dommage, si on avait le sablotron. 1 000 000 000, je hais les déserts, je hais les pyramides maudites et je hais les rochers au milieu des routes. Ne t'énerve pas, Fantasio, un peu de dynamite et foot, la route est libre. Mais qu'est-ce que c'est, la fin du monde? Je dire toi, Vito, nous perdre du temps. On dirait les Champs-Élysées. Tu parles. Oh, arrête-toi! La pyramide de Khops. Oh, c'est fantastique. Tu trouves? Moi, ça me donne froid dans le dos. En tout cas, pas de traces de Vito et de Raspoutnikov. Visiblement, nous sommes les premiers. T'aurais peut-être préféré qu'ils nous organisent un comité d'accueil, c'est ça? Allez, Fantasio, on y va! D'accord. Allons dire un petit bonjour aux momies. J'en meurs d'envie. Très pratique, le sable au truc. Un petit peu d'ombre, ça fait du bien, non? Écoute, Raspoutnikov, je suis bon prince. Tu me traduis les hiéroglyphes et je te donne un peu d'eau, de la bonne eau. D'accord, Vito. J'ai capitulé. Approche. Sablotruc! Ah! Mais
Et... Dis donc, Spirou, t'as vu cet engin? Mais ces deux-là, ils ont une de ces chances. Leur dernière chance, Vito. Je vais avoir l'idée d'une surprise pour eux. Mais alors on est de nouveau amici, tous deux? Bien sûr, Vito. Nous être amici. À la vie, à la mort. Oh, ouvrir l'œil, ouvrir l'œil. Ah, c'est facile à dire. Oh. Eux avoir aucune chance de sortir vivants. Je les aimais bien après tout. Mama, c'est la vie. La chance est la tournée, hein, Rasputnikov? Spip! Où est Spip? Spip! Après toi, Vito. Ma... Ah non, c'est à toi l'honneur d'être le premier. Et si tu permets, je préfère t'avoir à l'œil. Et n'oublie pas, c'est moi qui ressable au truc. Rien à faire, pas moyen de se libérer. Spip! C'est affreux! Cet engin va le broyer! Spip! Bon sang, Spip, réveille-toi, vite! Spip! Spip! Oh, c'est horrible! Mais je n'aime pas du tout cet endroit. Oh, on dirait une descente aux enfers. Dieu Fantasio, ça va être notre tour. Oh, tonnerre. J'aurais quand même préféré finir en momie. Ah, maledizione! Oh, ma quelle chance! Tu ferais mieux me lancer le sablotron, Vito. On ne sait jamais. Ma que... Tu me prends pour un idiot. Ou je réussis avec toi, ou personne ne réussit. Ah, un passage. Mais éclaire-moi, imbécile! Mais bien sûr, Vito. Le sablotron! Et toi, crétino! Et pas de blague, capisci? Ou alors, le sablotron qui l'est perdu! Un miracle! Il nous faudrait un miracle! Toucher au but, Vito. Ça être le sanctuaire du pharaon. Mais c'est pas une momie, ça! Très juste, Vito. C'est être une de mes anciens compagnons de la mission. Un peu trop curieux. Isis pas aimé les gens trop curieux, Vito. Arrête cela, tu veux, Rasputnikov. C'est vrai. J'ai oublié que tu pas être superstitieux, Vito. Sous l'œil des rats se cache Isis. Il va falloir trouver l'œil de rat. L'œil de rat? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, Vito, ce être l'œil de rat. Maintenant, à toi de jouer. Maximum. Ce sable truc, c'est une merveille. Il va falloir creuser un peu, Vito. C'est du gâteau. Fantasio, vieux frère, c'est la fin de nos aventures. En tout cas, c'est la dernière fois que je monte dans une grande roue. Spirou, on dirait que ça s'arrête. Ouf, sauvé. Mais comment, qui... Spip, c'est lui. Oh, mon vieux Spip, sans toi. Ah, je te promets 3 tonnes de noisettes à ton prochain anniversaire, Spip. Mais on dirait la Santa Madonna. Ne me touche pas, Vito. Qu'est-ce que c'est que... Tes mains sont impures, Vito. Signora, déesse, je suis juste venu chercher ta croix pour avoir la chance éternelle. Ni ma croix, ni mes trésors ne sont pour toi, Vito. Trésor? Quel trésor? Mais, moi, c'est incroyable. Tout ça à moi. Non, Vito, tu n'auras rien. Mais, déesse,
juste la croix pour la chance. Non, Vito. L'heure de ta punition est venue. Arrête ton numéro de ventriloque, Raspoutnikov. Des revenants. Et pan dans le mille. Ma fille n'a pas dit son dernier mot. Vous, les fantômes, vous allez m'aider à emporter les trésors. Père la Santa Madre. Vite, il faut filer d'ici. Fantasio. Fantasio. J'ai récupéré le sablotron. Tonnerre. Oh, je m'en souviendrai du pays des pharaons. Oh, Fantasio! Fantasio! Hélas. Pourquoi les humains font-ils toujours un si mauvais usage de leurs inventions? Ce Raspoutnikov avait une âme bien noire et Vito n'était pas un ange, mais tout de même, connaître une fin si cruelle. Oui, Fantasio et moi avons eu beaucoup de chance. Ouais, tu trouves? Personnellement, je commence à croire sérieusement à ces histoires de malédiction des pharaons. Pauvre Vito. La Déven l'aura poursuivi jusqu'à la fin. Malédiction, mais... Il ne faut jamais perdre espoir, hein, Raspoutnikov? Mais la voilà. Merci, ma petite mamma mia. Et maintenant, il ne restait plus qu'à creuser un joli petit tunnel. Je te l'avais dit, Raspoutnikov. La chance, elle est revenue par la Santa Madonna.